you mm -hmm. Est une commune française située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Griséliens. Le centre-ville est situé à 400 mètres d'altitude. Construite sur une butte, ses maisons occupent uniquement le versant sud. La commune est située sur le cours du Verdon, dont le confluent avec la Durance se trouve sur la commune de Saint-Paul-lès-Durance. Un barrage, le barrage de Gréoux. Il a été établi sur le Verdon, en amont de la ville, en 1967. La commune est membre du parc naturel régional du Verdon. Les communes limitrophes sont Valensole, saint martin de brome Esparon-de-Verdon, Saint-Julien-le-Montanais, Corbières-en-Provence, Sainte-Tulle, Émanosque, et, et Vinon-sur-Verdon, qui se trouvent dans le département du Var. La localité apparaît pour la première fois, dans les textes. Sous l'Empire romain, Nymphie Gris Nom qui devient Chryseldite, en 963, de Greusel, en 1018. Il s'agirait du pluriel d'un nom romain, Chrysellus, selon Ernest Nègre, ou d'une référence à la roche grézeuse, selon Charles Rostin, suivi par le couple Feigné. Selon Charles Rostin, le toponyme est probablement antérieur au gaulois. La forme Greuol, est apparue au XIIIe siècle. La commune se nomme Gréus, en Occitan provençal. Le nom de la commune devient Gréou-les-Bains, en 1923. Le nom du hameau d'Orabel, au sud du village, dans la vallée du Verdon, fait référence à l'oiseau au Ravela, Cassenois, ou Avelanier, ou encore nosier en Occitan. Historiquement parlant, de nombreuses traces d'occupation néolithique, ont été retrouvées aux grottes Saint-Sébastien, dont des fibules de civilisation de Hallstatt. La localité est connue dès l'Antiquité. Sous le nom de Nymphie Griselius, en rapport avec les sources thermales, les nymphes sont les divinités des sources, aménagées en termes par les Romains. Une motte castrale est élevée au XIe siècle, site d'Orabel. Les seigneurs du lieu sont successivement, l'ordre des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les glands de Ves du XIVe au XVIIe siècle, les Dodifred, jusqu'à la Révolution française. Le prieuré de Saint-Pierre-Hors-les-Murs, situé à l'est du village dans le quartier antique, dépend de l'abbaye de Montmajour. L'église paroissiale relevait de l'évêque de Riez, qui nommait le chapelain et percevait les revenus attachés à cette église. La communauté d'Orafred, Orafrigida, au XIIIe siècle, sur la rive gauche du Verdon, était indépendante. Elle formait également un fief distinct. Elle est fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle, peste noire, et guerre de Cent Ans, et annexée par celle de Gréoux au XVe siècle. De la même façon, la communauté de Roussel-et-Gréoux, créée autour d'un prieuré Saint-Pierre de Roussel, de l'abbaye de Montmajour, et qui comptait 37 feux, en 1315, est elle aussi rattachée à Gréoux au XVe siècle. Une paroisse existait encore à la fin de l'Ancien Régime, qui recouvrait aussi une partie de Valençol, et dont le culte se tenait à l'église Sainte-Madeleine, à Ville-Dieu. La ville est pillée par les Huguenots lors des guerres de religion. La baronnie médiévale est érigée en marquisat, pour Jérôme d'Audifred, en 1702. Note, de très nombreux auteurs, y compris l'abbé Féroce, à partir de 1705, font état de la présence de l'ordre du temple à Gréoux, soit possesseur de l'hospice, est soignant par les eaux, soit seigneur du lieu, ou les deux. Raymond Collier, dans les Annales de Haute-Provence, livraison de 1959-60, Régis Bertrand, et Joseph-Antoine Durbeck. Ont démenti ce qu'ils considèrent comme une légende. Aucune pièce d'archive ne mentionnant leur présence à aucun moment agréé ou. Ces auteurs se contentent d'avancer la présence des Templiers en se recopiant, sans vérification. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique créée après la fin de 1792. En 1793, le château est désigné comme pouvant être démoli par les administrateurs du département mais échappa à la destruction. Il est néanmoins pillé le 3 décembre 1800, par les royalistes entretenant l'agitation dans la région. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte, contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 25 habitants de Gréou sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Gréou se dote d'une école, bien avant les lois Jules Ferry, en 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles, c'est la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles. Aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi du 1877, pour rénover son école. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un centre d'internement est ouvert à Gréou, pour les étrangers indésirables. Les Polonais de l'armée polonaise de l'Ouest, démobilisés et incapables de réaliser des travaux de force dans les groupements de travailleurs étrangers, y sont dirigés. Il ouvre en janvier 1942 réquisition du Grand Hôtel et de l'Hôtel des Bains pour 170 personnes au départ qui sont 200 en septembre. Une quarantaine de personnes étaient également assignées à résidence à Gréoux, et sont, pendant l'occupation italienne, protégées par les autorités. Le maire s'était d'ailleurs plaint de devoir accueillir ces indésirables dans sa commune. Parmi ces assignés, de laitons réfugiés en France depuis 1940 et assigné à résidence à Gréou. Son raflé est déporté en août 1942. 12 juifs sont arrêtés à Gréou, avant d'être déportés. Le camp est géré par la Croix-Rouge polonaise, puis sous Vichy, par le Service social des étrangers, avant sa fermeture, fin 1942. Le 7 mars 2019, dans le cadre du Grand Débat national, le Président de la République française, Emmanuel Macron, organise une réunion pour échanger avec 400 élus et jeunes. Rassemblés sur la commune. Fin 2010. Le secteur primaire, agriculture, sylviculture, pêche, comptait 44 établissements actifs au sens de l'INSEE, exploitants non professionnels inclus, et 19 emplois salariés. Le nombre d'exploitations professionnelles, selon l'enquête agreste du ministère de l'Agriculture, est de 26 en 2010. Il était de 30 en 2000, de 61 en 1988. Actuellement, les spécialités dominantes sont les grandes cultures, 9 exploitations, les cultures permanentes, comme l'olivier, et les arbres fruitiers, 6 exploitations, et l'élevage au vin, 5 éleveurs. La commune compte également des viticulteurs spécialisés et 3 exploitations pratiquant la polyculture. De 1988 à 2000, la surface agricole utile, SO, a fortement augmenté, de 1146 hectares à 2846 hectares. L'assaut a suivi le mouvement inverse lors de la dernière décennie, étant divisé par deux, à 1438 hectares. Le terroir de la commune a été classé par l'INAO comme pouvant produire de l'huile d'olive de Provence AOC. La culture de l'olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles, tout en étant limitée à certains versants. Le terroir de Gréou-les-Bains se situe en effet à la limite altitudinale de l'arbre. Qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des 650 mètres à Gréoux-les-Bains. Il s'agit des versants bien exposés des vallons en taillant le plateau de Valençol, terrassé ou non. L'oliveraie de Gréoux-les-Bains occupait plusieurs dizaines d'hectares au début du 19e siècle. En 2005, elle reste une des plus importantes du département avec 253 hectares et 15 500 arbres exploités. Son aspect patrimonial dans un site particulièrement touristique noté par les auteurs. La vigne, autre composante de la triade méditerranéenne, est aussi présente anciennement au 19e siècle. Le vin produit est destiné à l'autoconsommation, sa qualité permettant de le vendre sur les marchés régionaux. Actuellement, le vin est toujours d'assez bonne qualité et inclus dans le périmètre du Pierre Vert AOC, mais les surfaces plantées en vigne sont symboliques. Le château, dit des Templiers, mais qui ne leur a jamais appartenu, avec des parties allant du XIIe au XVIIe siècle, est classé monument historique en 1840 et restauré. Il appartient au comte de Provence, à partir de 1248, puis aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il est acheté par la commune au début des années 1980. Le château est construit autour d'une cour rectangulaire. L'enceinte est renforcée d'une tour ronde, nord-est, et d'un donjon carré. Nord-Ouest, qui peut dater du XIIe siècle. Ses défenses sont encore améliorées au XVIe siècle, avant qu'il soit modifié, pour apporter plus de confort à ses habitants. Outre la légende des Templiers, une autre concerne l'existence d'un souterrain, partant de la citerne, pour rejoindre les caves du village, tout aussi infondé. Gréou, a été protégé par deux murailles successives, qui subsistent toutes deux, à l'état de vestiges, Celle du XIIe siècle. Est visible près du château, au portail du vieil Horloge, dit aussi Porte de la Vierre, ou de la Vieille Horloge, dans une tour d'angle, et des murs qui ont été percés de fenêtres gothiques. De la muraille de 1554, qui était longue de 670 mètres, subsistent principalement des pans de murs, jardins des remparts, et une grosse tour ronde. Le château du Rousset domine la vallée de la Durance. Et date du XVIIe siècle pour l'essentiel, est produit un vin à O.C., très agréable. Et enfin, le château de Laval.